mesures. Il est également décrit la nécessité de la poursuite du virage ambulatoire qui supposera une amélioration de la coordination au plan territorial de l'ensemble des secteurs hospitaliers, médico-social et de ville. Dans votre proposition, vous évoquez la mise en place d'une méthode d'évaluation de la charge de travail des infirmiers et des aides-soignants. Vous n'évoquez pas la mise en place éventuelle de ratios infirmiers, par exemple, soignants dans les établissements. Avez-vous pu regarder ce point?